Et essayons de vraiment faire ce crescendo. Ouais. David Chivers, violoniste professionnel, aime partager sa passion. Chaque mardi depuis 7 mois, il donne des cours de violon à l'école de musique de Buc. Je jongle un petit peu cette année entre les deux, mais je trouve qu'en même temps, les deux activités sont tout à fait complémentaires. C'est-à-dire que enseigner, on apprend beaucoup en même temps. Le fait de devoir expliquer, ça oblige à réfléchir, à se poser des questions. Et c'est vrai que ça aide dans sa progression en tant que musicien. Ce soir-là, il aide deux apprentis violonistes à maîtriser Vivaldi. Dans deux jours, ils ont un examen. Ils m'aident beaucoup, ils donnent des bons conseils en violon. Des conseils de technique, des conseils pour quand on est sur scène, ou pour le son, pour comment rendre les choses ou le morceau plus facile à jouer. Le musicien franco-américain fonde en 2016 l'ensemble Continuum à Versailles, une dizaine d'artistes amoureux de la musique baroque et moderne. C'était un projet que j'avais en tête déjà depuis longtemps. Auparavant, j'étais plutôt dans la musique moderne, c'est-à-dire que je jouais du violon sur instruments modernes. J'ai pris goût et passion pour la musique ancienne. J'ai découvert ça progressivement, on va dire, depuis il y a 10 ans à peu près. J'ai travaillé beaucoup avec John Elliott Gardiner. Pour cette saison culturelle, ils sont en résidence à l'église Notre-Dame de la Cité-Royale. Ils y seront en concert le 5 mai prochain.